Thank you.
représenter celle de la communauté. Nous sommes en communauté ici avec Jean-Michel, Frédéric, Raphaël, Anne-Marie. Une petite communauté de 5 dans un lieu millénaire. Moi-même, j'ai 42 ans et je suis bouleversé par le temps que nous vivons maintenant. Bouleversé parce que... Je vais y arriver. Bouleversé parce que nous sommes dans un hospice auquel nous y croyons. Nous y croyons parce que nous en vivons et parce que nous recevons ici tellement de parcours de vie où des gens sont venus ici et ont accompli un passage dans leur vie. Et ils ont plus de force, plus de lumière, plus de courage pour pouvoir la porter plus loin en Tanzanie ou ailleurs. Et en même temps, ce qui est bouleversant, c'est que... Ben voilà, moi, je n'ai pas fait Saint-Gall. J'ai pas fait Champité. J'ai juste fait de la théologie. Et je découvre au travers de la théologie que finalement, c'est une sacrée école qui nous permet de découvrir que les besoins des uns et des autres nous ouvrent à la rencontre. Que c'est qu'en acceptant de vivre nos besoins que nous entrons dans la richesse de la vie. Vous savez, tous ces travaux, on n'a pas besoin de les décrire, vous les voyez. Tous ces travaux, c'est beaucoup d'enthousiasme parce qu'on découvre et on reçoit le savoir-faire et le savoir-être de tous ceux qui collaborent pour que cette maison puisse vivre et qu'elle puisse continuer d'accueillir savoir-être, savoir-faire. Parfois, les nuits, je ne vous le cache pas, on se réveille, en général par une petite pique dans le ventre, pas besoin d'écrire plus, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer la suite. Dans la vie, on a parfois besoin de tout maîtriser. Ici, on est dans un contexte où on apprend à ne pas maîtriser pour basculer, et c'est l'expérience que nous vivons, dans la confiance. La confiance de celui qui se présente des mains vides et qui espère tellement plus, c'est la confiance du pauvre. Et chaque fois que les mains sont là, ouvertes, et le cœur, regardez ce qui se passe, regardez votre présence ce matin. Regardez Laura Anna qui a appris que voilà, on avait besoin d'être soutenu, qui dit que je chante pour vous, et qui fait venir Jackson des États-Unis spécialement pour aujourd'hui, spécialement. Aujourd'hui. Oui, alors dans la première partie de ce que nous venons de vivre, pour moi c'était une célébration qui est aussi folle que ceux qui ont construit cette église dans les années 1700. Vous êtes peut-être allés dans des cabanes de montagne, on est à l'altitude des premières cabanes de montagne. À partir de 2500 mètres, dans ces cabanes de montagne, on cherche à rationaliser l'espace, tout doit être utile. Ici vous êtes dans un espace qui est inutile. Et c'est pour ça qu'on y est bien. Vous êtes dans un espace qui est gratuit. Aucun petit déjeuner ne peut être servi ici. Ce n'est pas prévu pour dormir. Et ça prend 3 étages de la maison. Vous irez voir au trésor tout à l'heure, il y a un magnifique petit chauffe-main. Parce que non seulement c'est très grand, mais en plus c'est pas confortable. Aujourd'hui oui, mais autrefois non. Je crois que c'était des fous qui ont construit cette église. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes appelés dans un monde qui cherche à tout calculer, à tout maîtriser, à oser une folie qui fait vivre, une folie qui révèle le beau, qui encourage le beau. Des mots magnifiques. Vous savez qu'on sent qu'ils nous aiment. Mais il faut qu'ils sachent aussi, on t'aime beaucoup et puis on a tellement de plaisir à être avec toi dans les comités, à te connaître encore de mieux en mieux. C'est vraiment extraordinaire, c'est un partage formidable. Voilà, vous dire que maintenant je vais vous passer la parole à quelqu'un que je ne vais pas présenter parce qu'il est conseiller national, il est connu. Mais dire que surtout c'est un homme aussi formidable en dehors de son aspect politique. C'est lui qui patronne notre comité, c'est lui le président du patronage, comme je vous disais, où il y a une quarantaine de personnes.
des gens connus, moins connus. Il y en a un qui est là, que je regarde, c'est Christophe Lekes, l'ancien patron de l'armée. Il y a aussi Claude Guidet, qui est un ancien président amical des anciens élèves de Champitay. Enfin, une quarantaine, et c'est vraiment très bien mené à la baguette par Christophe Darbet. Je vous le présente, merci. Bien, cher Christophe, chers amis, mesdames, messieurs, chers anciens Champitay, chères familles, monsieur le prieur, pour moi c'est vraiment aussi un bon moment d'émotion. J'ai jamais fait un discours vraiment dans une église. Parce que même si je suis un ancien collègue de collège et copain de collège de José, lui a bien tourné, moi j'ai un peu moins bien tourné. Et comme j'ai pas pu devenir chanoine, je suis devenu l'un des moines Kender de l'hospice. On a fondé ce comité de patronage avec, comme ça vous a été dit, beaucoup de personnalités suisses et aussi de l'étranger qui sont attachées à cet hospice pour donner à ces chanoines ce coup de main dont ils ont besoin maintenant. Il y a deux anciens présidents de la Confédération dans ce comité de patronage, Adolphe Ogui et Pascal Couchepin, Christophe Lekes, ça vous a été dit, Didet, Christophe Beaufray, et puis beaucoup d'autres personnalités, Jean Troyer, l'homme 14 000, Patrick Gavarro, qui est un des Français administres les plus connus du monde, 400 premières, supérieures, même plus à son actif. Il a passé 60 ans, il fait encore des premières dans le massif du Mont-Blanc. Assez extraordinaire. Il y a toutes sortes d'autres personnalités qui sont touchées et qui aiment. Qui aiment. Il faut le tenir plus haut. Il faut serrer le micro. Ça, c'est la sortie du nucléaire, donc j'ai serré le micro. Alors, on s'est attelé à cette tâche qui est la tâche d'Hercule, parce qu'il faut vraiment tout refaire ici. Il y a l'électricité, ils ont été coupés même de téléphone, il n'y a pas encore la fibre optique à 2500 mètres, mais ce sera bientôt le cas, puisqu'on tire une ligne qui existe depuis 50 ans, depuis le cœur du tunnel du Saint-Bernard. Lorsqu'ils l'ont construit, ils ont fait une ligne qui monte à travers la cheminée, vous avez vu ce grand tas de béton en montant, et qui vient à travers la Combe des Morts jusqu'ici. Il y a l'eau qui vient de l'autre côté, pratiquement à la frontière italienne, et qui approvisionne tout le site de l'hospice du Grand Saint-Bernard. Il faut refaire les façades de ce magnifique bâtiment d'importance nationale. Il faut refaire les fenêtres, des travaux d'artisans pratiquement au millimètre, 160 fenêtres. Il faut refaire le trésor, qui est le premier œuvre maintenant créé dans le cadre de ces grands travaux de rénovation, et que vous pourrez visiter tout à l'heure. Ici, le Christ est adoré et nourri. C'est la doctrine et c'est ce qu'on dit à l'hospice depuis qu'il existe, depuis que Saint-Bernard Menton a eu cette idée un peu folle de sécuriser cet endroit qui était extraordinairement peu sûr. Lorsque des brigands passaient le col du Grand Saint-Bernard, il y avait des contrebandiers, il y avait des brigands, il y avait des pèlerins, il y avait des gens tout à fait normaux, et c'était un endroit très très dangereux. Et Saint-Bernard Menton, il y a plus de 1000 ans, a décidé d'y construire un hospice. Et depuis 1000 ans, sans jamais arrêter, il y a toujours eu des chanoines ici. Toujours, toujours, les gens étaient, indépendamment de leurs origines sociales, professionnelles, il y avait des brigands, il y avait sans doute des gens très peu recommandables, ils ont toujours été accueillis ici. Il y a eu un grand fan de l'hospice, c'était Napoléon Bonaparte. Il n'était pas encore empereur, en 1800, avec 46 000 hommes et 5 000 chevaux, au mois de mai, il faut venir une fois ici au mois de mai. On a ouvert la route le 23 mai, c'est une année avec assez peu de neige, mais on peut bien imaginer au mois de mai ce que ça représente. Et en mai 1800, ils passent ici le col avec des canons, avec des chevaux, avec 46 000 hommes qui sont sans doute pas tous passés de l'autre côté. Il y en a peut-être qui sont restés au bord de la route. Il a réussi à faire ça. Et il a aimé aussi ses chanoines. Il a décidé de donner ici le tombeau du général de Sexe, qui commandait l'armée à la bataille de Marengo. Et il a donné ce tombeau ici pour qu'il ait la vie éternelle dans cet hospice du Grand Saint-Bernard. Il a payé ses dettes aux chanoines. Il n'a pas payé toutes ses dettes partout en passant, mais il était éternellement reconnaissant. Il a construit même sur le col du Saint-Plon un autre hospice qui ressemble plus à une caserne pour pouvoir passer cet autre col stratégique. Et il a dit les seuls qui seront capables de s'en occuper sont les chanoines du Grand Saint-Bernard. Alors, toutes ces histoires, il y en a énormément à raconter, des anecdotes. Il y a beaucoup aussi de mythes et de légendes, puisqu'en 1800, c'est aussi en printemps, c'est aussi le moment où Paris, le chien le plus célèbre du monde, dont on célèbre le bicentenaire de la mort cette année dans une grande exposition au Musée d'histoire naturelle de Berne, eh bien c'est aussi en mai ou avril 1800 qu'il est né. Donc à la même époque,
Beaucoup de choses se sont passées ici et on est vraiment dans un endroit qui est un lieu d'histoire, un lieu de spiritualité, d'humanité qui est extraordinaire, qui est sans doute un des plus forts des Alpes. Et on veut vraiment donner à ces chanoines, à cette communauté et à nos enfants un lieu où ils se retrouvent à 2500 mètres d'altitude, un lieu que José disait un peu inutile, mais qui est extraordinairement utile dans un monde où on ne sait pas toujours quelles sont les références, dans un monde où on se cherche parfois, et ici on est tous un peu chez soi. Alors pour continuer cette histoire, c'est vrai, parce qu'on a tous une petite histoire avec l'hospice, j'ai raconté quelque part que ma grand-mère avait servi l'hospice en 14-18, à l'époque où Mythic et Swiss Friends n'existaient pas, on ne se rencontrait pas sur Internet. Les chanoines du Saint-Bernard l'ont dit, tu as peut-être un prétendant à Grand Montana d'où tu viens, mais nous, on pense que c'est mieux que tu sois avec Joseph à Chandonne. Ils ont eu 13 enfants, et puis maintenant on a à peu près 300 quand on fait les fêtes de famille. Ça c'est l'histoire de ma famille, et je crois qu'on a tous une petite histoire avec cet hospice. Quand on arrive ici, on ressent tous quelque chose, et j'aimerais que ça puisse continuer. C'est pour ça qu'on a fait cette grande opération, et là on a besoin de tout le monde. Il y a des petits dons, il y a des très grands dons, et le plus grand don, il est ici parmi nous aujourd'hui. Jérôme Demeyer et Philippe Gudin ont fait un don absolument exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire chiffre, je ne vais pas vous le dire, mais par contre, ça a été vraiment quelque chose de formidable, parce que Jérôme, dans les deux minutes, a dit « Pour moi, l'hospice, c'est tout, ces chanoines m'ont tout donné, alors c'est clair, je suis là. » Alors il y a des petits dons, il y a des très grands dons qui nous touchent tous, et il y a vraiment des possibilités d'aider cet hospice. On peut offrir une chambre à l'auberge, ça coûte à peu près 10 000 francs. On peut venir au spectacle de l'Ambiel. Certains vont payer 1 000 francs, comme moi, pour se faire moquer par l'Ambiel, mais on le fait pour la bonne cause. Et puis, il y a aussi la possibilité d'offrir une fenêtre. Je vous ai dit qu'il y a 160 fenêtres dans la maison qui sont toutes faites au millimètre près par des artisans. Ça coûte à peu près 1 000 francs la fenêtre. Alors c'est aussi une possibilité d'aider cet hospice, mais il n'y a pas de petits dons. Il y a des dons qui nous font plaisir et qui nous touchent et qui permettront aux chanoines et à ce lieu absolument exceptionnel, un des plus visités de Suisse, un des plus connus pour ce qui est de la Suisse dans le monde. On connaît quoi? On connaît le Cervin, on connaît le Grand Saint-Bernard et ses chiens, on connaît aussi le glacier d'Aletsch et encore quelques autres très grands monuments, la Fondation Gianella qui est connue sous le plan européen, et dont Léonard est aussi un des membres de ce comité de patronat. Voilà ce qui rayonne et ce qui rayonnera encore longtemps, j'en suis sûr, grâce à vous tous, grâce à nous aujourd'hui et à votre générosité. Merci d'avoir choisi l'hospice du Grand Saint-Bernard pour faire votre session extramuros. Vous savez que le Valais voulait recevoir tous les parlementaires suisses pour une session extramuros qui a été finalement refusée. Je vois que vous avez beaucoup plus de courage et vous êtes là aujourd'hui. Merci d'être là. Christophe, c'est vrai que c'est tellement facile. Je me pose la question des fois qu'elle prépare un discours si c'est plus long, mais qu'elle ne prépare pas, c'est extraordinaire, vraiment. Donc, magnifique, Christophe. Merci beaucoup pour tes mots. Dire effectivement, il a cité Léonard Gianella dans ce comité, il y a aussi Pascal Couchepin, il y a vraiment du bon monde. On essaie vraiment d'espérer, de croire que ces gens nous ouvriront de plus en plus de portes pour arriver à ces 4,8 millions. Sachez que c'est 4,8 millions qu'on cherche au départ, et on est déjà à peu près à plus que 2. Thank you.
much to the two Christophers. Really, thank you, Christophe and Christophe. And José, Rafael, Frederick, and Marie. Thank you to the hospice for what it's giving to all of us. And thank you all for listening and coming. We are so happy to be here with you. Thank you very much. Jackson.
Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Jackson. Extraordinaire. Beautiful. Magnifique. Ausgezeichnet.